Bonjour et bienvenue sur les dés de Trading Action. Nous sommes le mercredi 7 août 2019. Voici l'analyse du titre Cisco Systems. Le 16 mai, Cisco Systems a présenté les résultats du troisième trimestre 2018-2019 de son exercice décalé. De février à avril, le bénéfice net ajusté est ressorti en croissance de plus 8% à 3,5 milliards de dollars, correspondant à un bénéfice par action de 78 cents en hausse de plus 18%. S'agissant du chiffre d'affaires, il s'est affiché en progression de plus 6% à 13 milliards de dollars. Concernant les perspectives, le groupe californien table au titre du trimestre en cours sur un bénéfice par action compris entre 80 et 82 cents. Le chiffre d'affaires est lui attendu en croissance de plus 4,5% à plus 6,5%. Du point de vue graphique et à court terme, Cisco Systems a violemment corrigé à l'instar des marchés boursiers. Cette chute de plus de 12% engendra un retour sur le support majeur à 50,90$. Ce niveau est renforcé par la moyenne mobile à 200 jours ascendante, c'est le seuil garant de la dynamique haussière de fond. Cette dernière semble en mesure de se réactiver, au moins sous forme de rebond technique, en direction de 54,60$, soit 50% de retracement de la récente baisse. Si les marchés le permettent, un retour au contact des plus hauts historiques constituera la seconde cible. Le niveau d'invalidation de cette lecture haussière est placé sous 50,90$ en clôture. C'était l'idée de Trading Action, bonne journée à vous et à demain! Thank you.